Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Comme prévu, on passe au résumé de match. Je vais faire ça à chaque fois. Je vais faire d'abord le résumé d'un arc et ensuite je vais faire le résumé des principaux matchs de cet arc. Parce que dans le résumé d'arc, je fais un résumé très très court du match. Je parle vraiment des principales actions. Et donc après, je vous fais une vidéo pour vous faire un résumé un peu plus développé pour ceux que ça intéresse. Donc là, j'ai déjà fait le résumé de l'arc asiatique, de l'arc Coupe d'Asie. Donc je vous mets le lien en haut à droite si vous l'avez raté. Et là, on va partir sur les trois matchs avec aujourd'hui pour commencer le match Japon-Thaïlande. Donc il y a un match donc, de War Juice qui est dans le chapitre 21. C'est la fin des qualifs asiatiques des moins de 19 ans. Le Japon doit battre la Thaïlande pour se qualifier. En cas de nul ou de défaite, ils seront éliminés et ne participeront pas à la Coupe d'Asie. Donc un match sous haute tension. Et à ce moment-là, je vous rappelle aussi que 7 joueurs de l'équipe, 7 cadres de l'équipe, Yuga, Misaki, Soda, Jito, les Tachibana, ont été exclus de l'équipe. Donc c'est une équipe vraiment amoindrie qui arrive dans ce match contre la Thaïlande. En plus, Genzo Wakabayashi est toujours blessé, donc il ne peut pas jouer. Ken Wakashimasu a claqué la porte parce qu'il refusait d'être la doublure de Genzo. Donc c'est Morisaki dans les cages. Vraiment une équipe bis comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du manga face à une équipe de Thaïlande qui a écrasé ses adversaires dans les qualifications 11-0 et 12-0. Un match qui va être extrêmement difficile. Alors dès le départ, on voit qu'il y a une certaine technique du côté des Thaïlandais. Ça jongle, ça se fait des passes aériennes. Ce sont des maîtres du Sepak Takraw, un des sports les plus répandus en Thaïlande, une sorte de mélange entre le volleyball et le football, donc c'est un sport extrêmement acrobatique. Et ils vont facilement balader pour commencer la défense japonaise, notamment les trois joueurs offensifs thaïlandais, des frères, les frères Konsawat, donc des joueurs de Sepak Takraw à l'origine, mais qui sont passés au football en espérant devenir les meilleurs aussi dans ce sport. Et là, après que Shana et Konsawat aient un petit peu baladé les japonais, longue passe pour Sakon qui reprend le ballon sans contrôle directement, mais Tsubasa est revenu défendre et dévie le ballon. Touche pour les Thaïlandais, le ballon revient sur Shana, le plus agile, le plus rapide des trois Konsawa qui va facilement éliminer plusieurs japonais, mais la faute en fait, Shana s'effondre, l'arbitre estime que Takasugi l'a bousculé, ce qui est totalement faux en fait, c'est une simulation de Shana qui a voulu provoquer un coup franc bien placé et l'arbitre s'est fait avoir. Les Thaïlandais sont fiers de leur coup et ils vont faire une note de leur technique de Sepak Takraw, donc avec un ballon aérien cette fois-ci pour encore Sakon, le plus grand taille des trois Konsawat, qui s'envole par-dessus le mur. En fait, cette technique vise à éviter le mur en passant par-dessus, retourner de Sakon Konsawat. Mais là, on voit que deux Japonais, Tsubasa et Shizaki, courent pour aller derrière le mur et vont se jeter dans les airs pour contrer ce tir. Et donc là, les Thaïlandais sont super étonnés que leur technique qu'ils croyaient secrète ait été contrée comme ça, comme si les Japonais étaient au courant de ça et qu'ils avaient en plus gardé les techniques de Sepak Takraw exprès pour le match contre le Japon. Ils n'avaient pas eu besoin de ça pour gagner les deux premiers matchs, mais Ishizaki leur dit qu'en fait, ils connaissent leur technique car ils ont étudié ça grâce à des vidéos envoyées par Misaki. Et donc là, bien sûr, ça va être la contre-attaque avec Tsubasa qui envoie le ballon sur Sano, qui part dans une série de dribbles et qui va se retrouver face au défenseur de la Thaïlande et capitaine, Singprasert Bunak, un véritable monstre. Si vous ne connaissez pas bien ce personnage, vous avez une vidéo complète sur lui qui raconte toute son histoire dans le manga. Donc au-delà de ce match, hein, pour le reste du manga, vous avez le lien en haut à droite, vous cliquez sur le petit i pour aller voir la vidéo. Et là, Sano est malin, il ne va pas au duel avec Bunak, il va faire une passe directement à Tsubasa qui reprend le ballon avec son flying drive shoot. Et c'est le but, ouverture du score du Japon qui donc fait un très bon début de match. Ils ont contré les techniques spéciales des Konsawat et derrière ils marquent. Tout semble bien parti pour les Japonais, ce qui ne plaît pas du tout à Bunak et aux frères Konsawat. Là, Bunak, en tant que capitaine, va faire quelques changements dans son équipe. Il sait que les Konsawat sont un petit peu fragiles psychologiquement, donc il va mettre d'autres joueurs en attaque pendant quelques temps, le temps qu'ils reprennent un petit peu leurs esprits. Et ça part justement à l'attaque avec ces trois nouveaux joueurs thaïlandais, mais ils vont se faire totalement avoir par le génie défensif de Misugi, qui donne ses instructions à la défense japonaise et qui va lui-même intercepter une passe de la Thaïlande pour lancer la
contre-attaque. Et on peut remarquer aussi qu'il y a un choix tactique très fort des Japonais qui veulent une défense très solide et qui vont jouer à 3 milieux défensifs puisque Tsubasa joue plus bas que d'habitude et est accompagné en tant que milieu défensif par Izawa et Matsuyama. Donc le but est peut-être de conserver le score. Pour l'instant, les Thaïlandais, si forts dans les précédents matchs en attaque, ne trouvent pas de solution. Donc là, Bunak prend la décision de s'occuper personnellement de Tsubasa. Il sait que c'est le pilier de l'équipe et que c'est lui qu'il faut abattre si on veut battre le Japon. Et justement, pile à ce moment-là, voyant que le Japon maîtrise totalement les offensives thaïlandaises, Matsuyama dit à Tsubasa qu'il peut maintenant monter, qu'il n'a pas besoin de rester en milieu défensif, qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'il maîtrise tout. Et Tsubasa donc qui part à l'assaut, beau duel aérien gagné par Izawa, un spécialiste du jeu aérien qui remet à Matsuyama. Matsuyama qui envoie à Tsubasa, dribble sans problème les Konsawa qui sont venus jouer en défense. Et après avoir dribblé tous les joueurs et s'être envolé pour éviter le dernier tacle, il se retrouve face à face avec Bunak qui avait anticipé son geste. Et là, qui va le reprendre par un middle kick en plein ventre, mais en prenant le ballon. Donc, quelque part, il a joué le ballon, l'arbitre ne siffle pas faute. Il va projeter Tsubasa au sol et lancer la contre-attaque des Konsawa. Voilà, pour Bunak, c'est réglé, il a mis KO Tsubasa. C'est la fin du match pour le pauvre Tsubasa, il pense. Et là, pendant ce temps, les Konsawa lancent une contre-attaque par un jeu de passe rapide. Et ils enchaînent avec une nouvelle technique de Sepak Takraw. Shana est propulsé dans les airs par ses deux frères pour passer au-dessus de la défense et reprend le ballon en retournée acrobatique qui ne laisse aucune chance à Morisaki. Et c'est l'égalisation pour les Thaïlandais. Un partout après donc ce geste défensif impressionnant de Bunak et cette contre-attaque des Konsawa. Il en faut plus pour abattre Tsubasa qui s'est relevé, il se tient le ventre, hein. il est quand même touché. Et en plus, les Thaïlandais sont assez sur deux puisqu'ils ont d'autres cordes à leurs arcs. Et justement, Shana récupère très rapidement le ballon et part à l'attaque et surtout face à Tsubasa. Mais là, Bunak lui fait signe que non, c'est lui qui s'occupe de Tsubasa. Donc Shana laisse le ballon à Bunak qui est en position offensive. Donc on ne sait pas ce qu'il compte faire face à Tsubasa. Et en fait, c'est très simple, il décide de fusiller Tsubasa à nouveau en plein ventre, là où il lui a mis tout à l'heure son coup de pied. Et là, ouais, il a du mal à encaisser le choc Tsubasa. Là. Mais il ne veut pas rester là, Bunak, il veut l'achever. Donc, il s'apprête à reprendre le ballon pour le fusiller, lui tirer en plein visage pour l'achever. Hein. On voit le geste de son coach qui lui fait signe d'achever Tsubasa. Mais dans un dernier réflexe, Tsubasa esquive le tir, donc le tir va partir en sortie de but, mais ça c'est sans compter toutes les techniques spéciales des Konsawa, puisque Sakon va projeter Shana telle une fusée pour récupérer le ballon juste avant qu'il sorte, et Shana arrive en effet à centrer de justesse pour son frère Farhan, mais Misugi avait senti le coup venir et se jette pour le contrer, mais cette fois-ci Misugi se fait totalement piéger puisque Farhan va faire une passe de la semelle à son frère Sakon, qui reprend le ballon d'une tête plongeante et bat à nouveau Morisaki. Ça fait 2-1. Ça y est, la Thaïlande est passée devant. Le jeu acrobatique des Konsawa est impressionnant. Et voilà, Bunak, il explique à Tsubasa qu'ils ne sont pas là que pour se qualifier pour la Coupe d'Asie. Ils ont l'ambition de gagner la Coupe du Monde Espoir et que pour ça, il compte bien écraser le Japon. Derrière, nouvelle action encore acrobatique des Konsawa avec Shana qui va pour faire une retournée mais finalement fait une passe à son frère qui fait lui aussi une retournée et qui bat à nouveau Morisaki. Ça fait 3-1, le break est fait, ça devient extrêmement compliqué pour les Japonais qui, je vous le rappelle, doivent gagner le match. Donc ils doivent désormais marquer 3 buts alors que nous approchons de la fin de la première période. C'est assez compliqué pour eux, sachant en plus que Tsubasa est toujours amoindri par les deux coups qu'il a pris dans le ventre. Donc c'est très très compliqué pour les Japonais. Mais Matsuyama remobilise les troupes, il dit qu'il faut revenir à la tactique qui était prévue. Tout le monde défend, sauf Tsubasa qui lui est chargé d'aller planter les buts. Mais bon, est-ce que Tsubasa est encore en état? Il est motivé, il sait qu'il a la responsabilité en tant que star de l'équipe faire la différence. Et là, les Thaïlandais ont déjà le ballon et repartent à nouveau à l'attaque. Ça va être extrêmement compliqué, même si les Japonais se battent vaillamment et réussissent à contrer les actions thaïlandaises. Le discours de Matsuyama
les a remobilisés. Matsuyama qui est vraiment le vice-capitaine de cette équipe, mais à nouveau les Konsawa d'en faire parler leur jeu acrobatique avec Shana qui s'envole pour faire un énième retourné, c'est là où on marque le quatrième but, mais la magnifique technique en coopération de Ishizaki et Tagasugi qui permet à Tagasugi de s'envoler au niveau de Shana et de l'empêcher de tirer. Mais là, Shana, quel réflexe, quel jeu acrobatique, choisit de faire une passe directement à son frère comme tout à l'heure pour marquer le but. C'était sans compter le courage de Kishida qui se jette la tête en avant pour l'empêcher de marquer. Donc vraiment des Japonais extrêmement courageux qui donnent tout pour ne plus prendre de but, parce que prendre encore un but signerait probablement leur élimination. Et c'est ainsi que Tsubasa récupère le ballon pour aller tenter de réduire le score. Il part dans un raid de solitaire, esquivant plusieurs Thaïlandais. Il semble inarrêtable et se retrouve en position de tir juste devant la surface de réparation, mais Bunak est déjà là pour l'empêcher de tirer. Tsubasa ne se démonte pas, il prend sa revanche en le fusillant en plein estomac. On a l'impression que Bunak va être mis KO par ce tir, mais pas du tout. Il stoppe ce tir sans aucune difficulté. Lui, qui est un champion de boxe thaïlandaise, qui est habitué à s'entraîner en prenant des coups de tibia dans les abdos, c'est pas un ballon qui va l'impressionner. Une fois de plus, Tsubasa est totalement dépassé par Bunak, mais le ballon est parti dans les airs. Ça va être cette fois-ci un duel aérien entre les deux joueurs. Les deux se jettent ensemble. Tsubasa semble avoir conservé le ballon, mais les deux joueurs ont frappé tête contre tête. On voit du sang jaillir des crânes des deux joueurs. Sauf que seul Tsubasa s'écrase au sol. Bunak lui a encaissé le choc. Pareil, hein, combattant de boxe thaïlandaise, il a l'habitude de prendre des coups. Alors que cette fois-ci, Tsubasa est KO. Il en sent, il est au sol. Et il va devoir être évacué du terrain, amené à l'infirmerie suite à ce choc. Pour Bunak, cette fois-ci, ça y est, le combat est définitivement gagné face à Tsubasa. Il a mis KO Tsubasa et donc les espoirs du Japon de se qualifier. Et d'ailleurs, les Thaïlandais en profitent pour lancer une attaque pour aggraver à nouveau le score. Et Bunak participe même à l'attaque et demande le ballon. Il veut lui-même achever l'équipe du Japon et il marque le quatrième but d'une grosse frappe de loin. Ça fait 4-1. Ça semble définitivement cuit pour le Japon. Surtout que les Thaïlandais sont bien partis pour en marquer un cinquième alors qu'on n'est qu'en première période. Ça part à l'assaut encore côté thaïlandais, mais là Morisaki comprend que si il veut que le Japon ait la moindre chance de se qualifier, il ne doit plus prendre de but. Donc là, il fait appel à son courage légendaire, il donne des consignes à tous ses partenaires pour résister en attendant le retour potentiel de Tsubasa. Encore une technique aérienne des Konsawa, le cinquième but, non, exploit de Morisaki qui arrive à repousser le ballon de la main droite. Mais le ballon est repris d'une grosse frappe de Bunak, mais réflexe incroyable de Morisaki qui repart de l'autre côté et en s'aidant du poteau réussit à contenir la puissance du tir de Bunak. Un bel exploit de Morisaki, mais à 4-1, c'est quand même un petit peu compliqué. Et là, une bonne nouvelle, très inattendue côté japonais. Non seulement Tsubasa semble s'être remis de sa blessure, et Genzo a décidé finalement de jouer, mais ses blessures ne lui permettent pas de capter le ballon grâce à des injections antidouleurs. Il pourra quand même puncher les ballons, mais c'est clair que ça va être quand même compliqué. Mais un Genzo Puncher vaut toujours plus qu'un Morisaki. Et d'ailleurs, sur le coup franc qui s'ensuit, Genzo va demander à ses partenaires de s'écarter, voilà, qu'il n'a pas besoin de mur. Ça nous rappelle Muller lors du tournoi junior face à Victorino. Alors là, bien sûr, les Thaïlandais, ça les fait rire. Hein. Ils disent, oui, il est certainement encore blessé, on va l'achever sans problème. Là, ça semble être Bunak qui va tirer le coup franc. Les Konsawa partent dans la surface de réparation. Mais au dernier moment, c'était une feinte. Ce n'était pas un tir de Bunak de l'extérieur de la surface, parce qu'il sait les compétences de Genzo de l'extérieur de la surface. Il fait une petite balle piquée dans la surface pour le triple retourné. Une nouvelle technique encore des Konsawa qui s'élancent tous les trois dans la surface de réparation. Peut-être le but du 5-1, mais non. Genzo fait une sortie impressionnante pour puncher le ballon et envoie valser les trois Konsawa. Quel joueur puissant. Et le ballon arrive sur Tsubasa, mais Bunak est déjà revenu sur lui. Quel défenseur exceptionnel, et il compte bien le renvoyer à l'infirmerie avec son jeu rugueux. Il y va épaule contre épaule, mais Tsubasa est malin, il préfère faire une passe sur le côté plutôt que d'aller encore provoquer Bunak. Mais hélas, pas de chance pour lui, décidément les Thaïlandais sont partout, et sa passe est interceptée et ça repart à nouveau en contre-attaque. Et cette fois-ci, ça sera une frappe de Sakon punchée à nouveau
par Genzo, donc c'est bien, il arrive à repousser les tirs, mais hélas, il ne peut pas les garder. Donc il y a toujours le risque que ça revienne sur un Thaïlandais, et c'est le cas justement, puisque c'est Chanal plus rapide qui saute pour reprendre ce ballon en retourné acrobatique. Genzo semble prêt à contre-pied, mais non, ses réflexes surhumains lui permettent de puncher à nouveau le ballon. Mais c'est pas encore fini, cette fois-ci c'est Farhan qui va reprendre le ballon. Genzo s'envole pour aller le gêner, mais le refait sa feinte de la semelle et de tente de faire à Genzo comme il a fait à Misugi, de le lober par cette petite pichenette au-dessus. Mais c'est mal connaître Genzo qui, en plein vol, arrive à basculer pour reprendre le ballon du talon. Impressionnant ce geste-là, mais pas de chance pour le japonais, le ballon revient encore sur un Thaïlandais et c'est Buna qui tire à nouveau. En pensant que Genzo n'est pas encore en position de faire un nouvel arrêt, c'est bien mal le connaître puisqu'il va encore réussir à puncher le ballon. Décidément, il est imbattable ce Genzo. Et là, nouveau rebondissement alors que le ballon sort du terrain, c'est un nouveau joueur du Japon qui a le ballon entre les mains. Il s'agit de Aoi Shingo, le joueur qu'on avait pu suivre en Italie, qui est parti se former en Italie, qui n'a pas joué encore avec le Japon, mais qui avait été convoqué, qui arrive là avec pas mal de retard, et qui faisait partie de la stratégie de Gamero pour compenser la perte des 7 joueurs exclus temporairement. Il comptait sur Shingo, mais là, Shingo n'est pas arrivé à temps de l'Italie pour être là en tant que titulaire. Gamero fait bien sûr très vite le remplaçant, il fait sortir Sano, et Shingo qui fait de suite parler lui en interceptant la touche des Thaïlandais et qui part dans une série de dribbles, mais qui est vite encerclé par 4 Thaïlandais. Là, il nous sort un nouveau dribble qui laisse sur place les 4 Thaïlandais et lance l'attaque. Mais il va faire sa première passe, bien sûr, à son modèle footballistique, à Tsubasa, à travers tout le terrain. Et Tsubasa, qui est chargé par Mounak, va de suite lui remettre le ballon en 1-2. Mais c'est une passe extrêmement longue. Personne ne croit que Shingo pourra récupérer ce ballon. C'est bien mal connaître Shingo, qui a une endurance, une vitesse exceptionnelle et qui réussit à reprendre le ballon de volée au dernier moment et qui marque le deuxième but du Japon. Ça fait 4-2 et c'est le début de la seconde période avec Shingo qui part de suite à l'assaut et qui va défier le grand Bunak qui a battu à plate couture pour l'instant Tsubasa et qui va essayer sur lui son nouveau dribble, la feinte angle droit, qui laisse totalement sur place le Thaïlandais. Vitesse d'exécution impressionnante de la part de Shingo, sauf qu'il a oublié le ballon, et oui, il ne maîtrise pas encore totalement cette nouvelle technique, et Bunak va dégager le ballon rapidement pour l'attaque, pour aller chercher à marquer un cinquième but, mais Tsubasa a jailli et contrôle le ballon de la poitrine. Il va venir défier en tête à tête Bunak, il n'a pas peur, il a vu que Shingo, lui, a foncé, qu'il a joué avec son style. Il dit, si Shingo la joue à l'italienne, je vais moi la jouer à la brésilienne. Et donc, il sort lui aussi son nouveau dribble, le Santana Turn, qui va laisser totalement sur place Bunak. Mais voyant qu'il est en train de se faire dribbler et que ça sera certainement synonyme de but, Bunak fait le choix de faire une faute volontaire, de carrément mettre un coup en plein visage à Tsubasa, quitte à se prendre un carton, mais il faut absolument l'empêcher de marquer, voire le blesser, car même s'il se fait expulser, du moment qu'il n'y a plus de Tsubasa, il n'y a plus de risque que le Japon remonte au score, mais Tsubasa esquive au dernier moment le bras de Bunak, puis s'envole pour reprendre le ballon. Shingo avait suivi l'action au cas où Bunak faisait faute sur Tsubasa. Résultat, c'est une volée combinée des deux Japonais qui ne laisse bien sûr aucune chance au gardien thaïlandais. Ça fait déjà 4-3, la remontada est désormais possible. Et juste après, les Japonais ont déjà récupéré le ballon. Le nouveau duo en or du Japon, Shingo et Tsubasa, repartent à l'attaque. Mais interception de Farhan, vraiment un joueur avec une très bonne lecture du jeu. Et là, surprise, les Thaïlandais décident finalement de jouer défensif. Ils se rendent compte qu'ils s'en sortent pas et que leur seule chance est de jouer derrière, de blinder. Donc ils vont réussir quand même à bien gêner les Japonais. Tsubasa, voyant qu'il n'arrive pas à avancer, va vouloir tenter de tirer de loin, mais à nouveau Bunak se met sur la trajectoire et Tsubasa sait qu'il ne peut pas battre en puissance Bunak. Donc au dernier moment, il talonne sur Misugi qui était venu aider l'offensive japonaise et qui reprend le ballon avec un tir à pleine puissance. Bunak s'interpose, mais le ballon passe au-dessus. Donc il dit, c'est bon, le tir n'est pas cadré, mais il ne savait pas que Misugi maîtrisait aussi le drive shoot. Le ballon replonge dans la cage et ça fait 4-4. Égalisation de Misugi. La Thaïlande est toujours qualifiée, mais il ne manque plus qu'un petit but aux Japonais
pour se qualifier. Et c'est toujours les Japonais qui dominent cette fin de match avec Tsubasa qui enchaîne les dribbles au milieu de tous les Thaïlandais en défense, qui passe le ballon à Shingo, qui va à son tour tenter de tirer de loin, mais Bunak jaillit encore une fois pour stopper, bien sûr, sans problème, hein, le tir de Shingo. Ballon qui revient sur Shingo, qui va tenter de retirer, duel de puissance contre Bunak, largement perdu par le japonais, hein. La puissance de Bunak qui est largement supérieure, et donc le ballon est dégagé à l'avant, ça arrive sur le trio Konsawat qui décide de lancer une attaque pour tenter de marquer un cinquième but qui leur assurerait la victoire vu qu'il ne reste plus que 5 minutes dans ce match. Donc là les Thaïlandais arrivent à percer la défense japonaise par une série de passes et ça finit par une énième technique Sepak Takraw. Shana est envoyé tel une fusée par ses deux frères, ballon entre les pieds. C'est une technique assez vicieuse puisqu'il va attendre la dernière seconde quand il sera juste devant Genzo pour décider de quel côté tirer. Donc c'est le meilleur moyen certainement de marquer à Genzo qui est très fort sur les tirs de loin. Là, il va devoir réagir à la dernière seconde. Au dernier moment, Shana décide de tirer à droite de Genzo, mais réflexe incroyable de Genzo qui arrive quand même à toucher du bout des doigts le tir qui va sur le poteau et qui se met à longer la ligne. Est-ce qu'il va rentrer ou sortir? Heureusement, Shingo jaillit et dégage le ballon au dernier moment. Décidément, le héros du match, Shingo. Et c'est un assaut global des Japonais qui joue très bien en passe jusqu'à donner le ballon à Tsubasa qui décide de ne pas la jouer individuelle, qui préfère la jouer en passe pour remonter le ballon par le jeu de 1-2. L'équipe thaïlandaise est totalement dépassée et Tsubasa fait une passe vers Bunak. On a l'impression qu'il a raté sa passe. Non, il avait vu Shingo revenir, qui jaillit devant Bunak. Il se retrouve en face à face avec le gardien thaïlandais et il décide de tirer entre les jambes. Ce qui trompe totalement le gardien thaïlandais qui ne s'y attendait pas. Là, on pense que ça y est, c'est le but de la qualification des Japonais. Mais une fois de plus, les Konsawat surprennent tout le monde avec encore cette technique de la fusée thaïlandaise. Shana est propulsée par ses frères pour arriver sur la ligne avant le ballon et le dégager. Gros geste défensif là des Thaïlandais. Et Bunak crie déjà victoire puisqu'il reste plus quelques secondes. Et à 4 à 4, ce sont toujours les Thaïlandais qui sont qualifiés. Mais les Japonais n'abandonnent pas. Takasugi utilise sa puissance pour faire une très longue touche juste devant la surface de réparation pour Tsubasa, pour qu'il puisse tenter une dernière frappe. Il arme certainement son flying drive shoot. Les Thaïlandais connaissent maintenant cette technique, dont les trois Konsawat sont sur la ligne de but et se jettent dans les airs pour pouvoir couvrir toute la surface de la cage. Mais c'était une feinte de Tsubasa. Ce n'était pas un flying drive shoot, mais une flying drive pass pour Shingo, qui est dans la surface de réparation et qui décide de reprendre le ballon d'un retourné acrobatique. Bunak jaillit, comme d'habitude, toujours là pour contrer les tirs. Mais une fois de plus, c'est Shingo qui est plus malin, qui décide de faire un retourné piqué entre les jambes de Bunak. Les Konsawat, eux, étaient partis côté droit, pensant que Tsubasa allait tirer de ce côté-là. Le gardien est surpris que le ballon passe entre les jambes. Il a juste le temps de toucher le ballon, mais ça ne suffit pas. Le ballon rentre dans les cages. C'est le cinquième but des Japonais. Et l'arbitre siffle la fin du match. Victoire de justesse des Japonais. Au bout d'un match totalement fou où les Japonais ont fait une remontada exceptionnelle. Victoire donc des Japonais et qualification des Japonais pour la Coupe d'Asie. Voilà un sacré match d'après moi, un des plus beaux matchs du manga avec pas mal de techniques très diversifiées, un scénario assez sympa, des remplacements, des nouveaux joueurs. Vous me direz dans les commentaires comment vous situez ce match, mais en tout cas, personnellement, il fait partie de mes 5 matchs préférés du manga. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un de ces jours un top 5 des plus beaux matchs du manga. Et je trouve que ce match-là mérite certainement sa place par son scénario, par son originalité. Mais j'attends d'avoir votre avis sur cette question. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous pour le résumé du match entre le Japon et l'Arabie Saoudite. Bye.